Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'avais un petit souci avec la musique apparemment, mais c'est que de mon côté, donc je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère, apparemment les niveaux vont bien. Donc dites-moi si c'est ok. C'est le monde des inserts, effectivement, Ray le Cascadeur. Bon, alors déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir 3D1 Toto, bonsoir Caillou, Gros Louche, Rixan, Atoldev, Manuel Re01, salut Rixan, salut les barbus. Alpharty, rebonsoir du coup. Ray, bonsoir à toi. Donc, vous me dites que c'est bon, du coup c'est cool. Salut Givarto, salut Wiki, je vais y arriver. Salut Batmaker, bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est cool de vous retrouver après une semaine. Comment ça va se passer? Alors déjà, on va se mettre un peu de musique. Et puis ça commence déjà à s'abonner. Oh, merci Batmaker, merci de lâcher ton Prime. Ici, ça fait super plaisir. Merci à toi. Allez, on va se mettre un petit peu de musique. On va pas le mettre trop fort. Voilà. Donc vous avez vu? Vous avez entendu peut-être, j'ai changé la musique de début parce que l'autre musique que j'avais finalement je me la suis fait strike. Oh, merci Ray le Cascadeur qui lâche aussi son Prime ici, c'est super cool. Ouh là, la musique est beaucoup trop forte de mon côté. Donc ouais, la musique d'intro c'était fait Clay, mais donc du coup bah, je l'ai changé. La musique d'un pote, merci Manuel Re pour ton follow, c'est super cool. Et j'espère que cette musique-là passera. Normalement, elle passera parce que c'est la musique d'un pote, à moins qu'il l'ait mise à la SACEM ou qu'il en fasse son taf. Et je ne sois pas au courant, voilà. Donc merci, il se reconnaîtra, Yaoliko. Bonsoir Homzan, c'est mérité, merci beaucoup. Du bascule du côté open source de la fin. Exactement, Freecade France. Bah déjà, tu le sais, hein, déjà de Fusion à Freecade, et puis bientôt sur Kicad. En vrai, j'ai déjà fait un peu de Kicad avant, donc je troll un petit peu, mais il va me falloir un peu de temps pour me réhabituer. Salut Ralm. Salut. Tu faisais pas plus tôt dernièrement? Non, 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 Rixan, non. J'ai essayé 21h. Quand j'ai pu, mais en fait 22h maintenant c'est très bien, mais on verra, peut-être que j'arriverai à faire des trucs, et il y a aussi une possibilité, je vous le dis depuis longtemps, mais comme je change de taf, que je ne puisse plus faire de live le dimanche, mais que ça sera un autre jour de la semaine, mais je vous tiendrai au courant bien évidemment, et n'hésitez pas à vous mettre sur les réseaux, sur Twitter, sur Discord, pour savoir un peu comment ça évolue, quand je live, quand je fais pas de live, discuter avec la communauté, voilà, ça fait super plaisir. Non, il y a du monde là ce soir, hein. C'est cool. Bon, écoutez, on va pas attendre plus longtemps. Vous avez vu le titre de la vidéo, ça va être de travailler sur le robot de la MakerFight. On a pas mal de taf. J'ai pas de récap véritablement de la semaine. Donc, ce que je vous propose, c'est d'envoyer direct un générique et puis on va commencer la première partie de ce live. Et merci Xavier Mika de suivre, ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Salut Super Balou. Ton taf, c'est vendeur de perso chez Laura. Non, parce que sinon, ils vont avoir des problèmes. Salut Kamikaze Master Z. Ah, il y a du monde, Lolaman, salut. Ils ont embauché. Salut Rapker. Et du coup, après ce jingle, on commence la première partie du live. À savoir, je pense qu'on va travailler sur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, j'ai un peu de bricolage à faire sur les moteurs de la MakerFight. J'ai des vis à mettre, etc. Donc on va se mettre dessus, puis comme ça, je me permettrai de vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé. Allez, c'est parti, jingle! Et c'est parti pour cette première, c'est parti pour cette première partie de live, deux fois partie, c'est incroyable. Et du coup, on va commencer par finir la modification qu'on avait faite sur les moteurs. Oula, il y a le train de la hype qui est parti. Là, merci Rapker d'avoir lâché ton Prime pour ton 12e mois, ça fait super plaisir. Tu as mis du chauffage dans ta dépendance cette fois-ci? Écoute, tu vois, j'ai deux pulls. Donc oui, j'ai du chauffage, mais bon, voilà, on garde les deux pulls quand même, hein, c'est l'hiver, tout ça, tout ça. Bref. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire sur ces moteurs? Eh ben, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, c'est parti. Hop, atelier. Go. Ah, tiens. Ah bah ça commence.
Attendez. Ah, j'ai ma caméra qui est partie. Ça marche. Bon bah désolé beaucoup. 72 live et ça m'était jamais arrivé. Comme quoi, hein, fallait que ça arrive un jour. Je sais pas ce qu'elle a foutu cette caméra, donc on verra bien comment ça tourne. J'espère qu'elle a pas de problème parce que j'en ai vraiment beaucoup besoin ce soir. Donc c'est pas grave. Alors du coup, t'es flou, c'est flou. Dites l'impact est plus gros qu'une pièce. Bon, oui, il y a une nouvelle zic aussi sur la partie souci technique. Allez, go! Désolé. J'espère que, y aura pas d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va travailler sur ces petits moteurs comme on avait fait la semaine dernière. Voilà. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a démonté ces moteurs-là d'anciennes perceuses et on les avait modélisés. Bon. Depuis, j'ai fait quelques autres modélisations sur ces moteurs, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment, ça on le verra après. Ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois, tiens d'ailleurs, ce n'est pas les bons moteurs ça, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois, c'était de couper les fils et de les changer. Donc on va faire ça tout de suite. Et, ah, j'ai oublié qu'il y avait de la glace sur celui-ci. Et ce qu'on n'avait pas fait aussi, c'est qu'on n'avait pas bloqué en fait notre moteur. Donc on va venir repercer en fait notre coque ici de notre moteur et on va venir mettre des petites vis sans tête pour pouvoir utiliser les moteurs avec le maximum du couple. Voilà l'idée. Et donc on va se commencer ça tout de suite parce que bah, du coup on a pris un peu de retard avec toutes ces bêtises. Alors, comment ça va se passer? Alors dans un premier temps, on va faire la petite modif là, mécanique. Donc il va falloir qu'on démonte en fait toute cette partie-là et qu'on vienne repercer ici un trou à 4,2 pour pouvoir insérer ces petits, oups, ces petites vis sans tête. Voilà. Ça y est, de reboot. Je suis en live, c'est sympa. Il n'y a pas eu de récap de la semaine, non? Parce qu'en fait, j'ai pas fait grand-chose cette semaine, à part les modélisations qui sont là. Du coup, non, c'était assez calme. Alors, du coup, ça va direct dans le vif du sujet avec une caméra qui ne fonctionne pas. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, on va faire attention de ne pas faire tout tomber. Alors, on va dévisser ça. Donc on va voir à l'intérieur comment c'est foutu. Parce qu'on n'avait pas fait la semaine dernière. Donc là, à l'intérieur, ce que je suis en train de démonter, là, la partie blanche. C'est le réducteur, hein. Donc c'est ce qu'on appelle un réducteur épicycloïdal. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à aller voir sur internet, il y a des animations qui expliquent bien comment fonctionne un réducteur épicycloïdal. L'avantage du réducteur épicycloïdal, un des avantages, c'est que dans un même volume, on va pouvoir avoir une réduction et un couple qui vont être plus importants que avec un réducteur planaire standard. Après, par contre, c'est un réducteur qui coûte forcément un tout petit peu plus cher à fabriquer. Et oh! Alors ça, c'est pas... Je peux enlever le... Ok, d'accord. Alors, c'est marrant ça.
Je vais vous montrer ce qui se passe là. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est que, du coup, sur le moteur, il y a. Voilà. Il y a une redentée. Le truc, c'est qu'en général, je ne peux pas l'enlever, quoi, en fait. Et là, je peux l'enlever. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que là, le moteur qui est là, c'est un 550S. Donc c'est un type de moteur qui est relativement standard. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement les 550 et les 500 sont standards. Et donc on peut les enlever et les remplacer. Ce moteur-là, par exemple, si on veut avoir un moteur bien plus puissant que ce qu'on a là actuellement, et ben c'est hyper facile à changer puisqu'en fait on vient juste le dévisser. Il y a 4 vis. Même, je suis même pas sûr qu'ils aient mis les 4 vis. J'ai l'impression qu'ils en ont mis que 2. Je vais voir. Ouais, ils en ont mis que deux. Donc on enlève les deux vis qui sont là. Boum, on l'enlève. On n'a même pas besoin d'enlever ça difficilement. On le repositionne sur le nouveau moteur. Et c'est parti, on a un moteur qui est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est une super nouvelle. Bon, alors on va le mettre de côté. On va pas trop enlever de graisse parce qu'on n'a pas envie d'en remettre. De l'autre côté, on a notre réducteur. Donc on va enlever voilà, la petite plaque qui est ici. Voilà. Et on a, voilà, notre réducteur épicycloïdal. Et donc normalement, si je tourne ça, voilà, vous voyez, hop, tout ça, ça tourne. En fait, ce qui se passe, c'est que le moteur, lui, il entraîne ici les petites roues dentées. Voilà. Et c'est ça qui va faire la réduction sur deux niveaux. Alors, je vais essayer de vous l'enlever. Est-ce que c'est assez facile? Économie sur les vis, ça pue. Alors. On va se prendre et ça. Va se prendre une petite pince et on va enlever. Normalement, ça part assez facilement. Allez, j'ai envie de mettre les doigts. Voilà. Nickel. C'est démontable, c'est ça qui est bien en fait. Voilà, hop. Ça c'est le premier niveau, et après il y a le deuxième niveau qui est ici. Je sais pas si je peux aller jusqu'au bout et enlever cette partie-là, de toute façon il va falloir. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est l'opération ici qu'on va faire? C'est que vous voyez quand on tourne ici, là, cette partie-là, la partie autour, là, ici, peut-être la couronne, elle. Il faut qu'on la fixe. Parce que si on ne la fixe pas, elle tourne sur elle-même. Et en fait, il ne se passe rien. J'ai pas de puissance, rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en mettant une vis par en dessous ici, là, on va venir plaquer et fixer cette couronne. Ce qui va nous permettre d'avoir notre étage de réduction. Donc, c'est exactement le but de la manœuvre ce soir, c'est de faire ça. Donc, on va mettre le deuxième niveau ici. Voilà. Je suis très surpris aussi de la graisse qui est utilisée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que souvent la graisse est plutôt de mauvaise qualité. Là, la graisse a l'air plutôt bonne. C'est plutôt une bonne nouvelle ces moteurs-là. Et alors normalement, tout cela. Voilà. Et vous vous souvenez la semaine dernière, je vous avais dit il y a des crans à l'intérieur. Et bien l'écran, on les retrouve ici. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va venir se poser pour pouvoir venir mettre notre vis. Comme ça directement. Alors. Maintenant qu'on a fait ça, je ne peux pas le retirer parce qu'il faudrait que je retire le roulement j'ai pas ce qu'il faut ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste percer notre système. On va venir mettre un petit chiffon pour pouvoir protéger tout ça à l'intérieur. On va contrepercer avec un forêt de 4 et on va venir mettre notre vis à la main. Merci, Saucistomate, pour le follow. Alors. On va mesurer. Stabilios 2. Ce n'est pas le moteur qui est présent dans une CNC30. C'est possible. C'est possible. Un 550, ça me semblerait gros quand même. Alors là, j'ai combien? J'ai 3, j'ai quasiment pas 4. On va percer à 4,2. Parce que j'ai un forêt de 4,2. J'espère que j'ai un forêt de 4,2. Alors. Yes, 4,2. Direct. Comme ça. Bam. On va prendre notre perceuse à main.
Parce que là, si je mets la vis M5 directement dans du 4, ça va mal se passer. Alors, on le fait un peu où on veut, parce que de toute façon, la vis sans tête, l'avantage, c'est que on peut la mettre où on le souhaite, ça, elle ne va pas dépasser. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, sur celui-ci, où j'avais mis une vis avec une tête. Alors, on va le percer où? C'est quoi le plus logique? Là où on a le plus de place, ça va être ici. On va faire un truc. C'est que je vais enlever la vis aussi debout pour avoir un tout petit peu plus de marge. Voilà. Tant qu'on y est, on va prendre une vis et on va prendre une clé BTR et on va essayer de le mettre dedans. Donc tu fais ressemble un peu à Cassius. Non, exactement, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui connaît Cassius. Et c'est exactement ça. En fait, c'est un robot. C'est un des premiers robots de combat. C'est le premier robot de combat que j'ai découvert dans une. Parce que j'ai fait mon truc. Dans un magazine. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, voilà, si jamais je fais un robot de combat un jour, je fais Cassius. Et c'est ce qu'on a fait. Presque. Parce que Cassius, quand même, c'est un beau robot. Je l'avais présenté à la fin du live la semaine dernière. Et oui, moi, ça, c'est un robot qui me fait beaucoup, qui me fait rêver, quoi. Un vieux robot, mais qui me fait vraiment rêver. J'étais aussi fan aussi. C'est drôle. Ah, un fan de cyber-robot. Voilà, exactement. Mais attendez. Je crois même. Est-ce que je l'ai pas là? Voilà. Je l'ai à côté de moi. Regardez. J'ai jamais fini le kit moi-même, mais on l'avait fait au collège. Cassius, voilà. C'est un des robots dont on s'est inspiré pour faire le nôtre. Lui, il a un harpon à l'extérieur. Aussi. Voilà. Et en plus, c'était cool. J'avais trop envie de le faire, ce robot-là. Un truc de malade. Bref. Alors, on va continuer. Finir mettre notre vis. Alors j'aurais dû tarauder. Le problème c'est que j'ai pas retrouvé mes tarots M5. J'ai ma boîte de tarot, mais il manque le M5. Et j'ai cherché dans toutes mes caisses. Je ne l'ai plus. Et alors là, je suis un peu triste, les amis, parce que j'ai beaucoup de M5 à tarauder. Et je ne sais absolument pas où je l'ai mis. Alors, est-ce qu'on est passé de l'autre côté? On commence à arriver de l'autre côté. C'est bien. Hop. Voilà. On va avancer un tout petit peu encore. Pour vraiment passer. Nickel. Ah oui, du coup, il y a vraiment des fans là. Je crois que je l'avais déjà mis. J'en avais déjà parlé dans un live. Voilà, donc là, je suis passé à travers, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dévisser pour pouvoir remonter. On va tout remonter. Et on va visser jusqu'à temps que le couple se fasse. Voilà, hop, on enlève. Donc on n'a pas mis de organes s'il n'y a pas de cochonneries qui se sont mises dedans. Normalement elles sont arrivées, ouais, elles sont arrivées sur le tissu, sur le sopalin, donc c'est bon. Voilà. Et maintenant, on remonte tout dans l'autre sens. Alors, hop. On vient le mettre à l'intérieur. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de choses-là, pas prendre cette pince parce qu'il n'y a pas de cran. Plutôt prendre celle-ci. Qui ne s'ouvre pas. Très bien. Voilà. Avec ce genre de réducteur, on peut difficilement se tromper sur les étages de réduction entre les différents pignons. Donc à remonter, ça se fait plutôt bien. Voilà. Alors là, par contre, voilà. Se met bien les trois derniers. Nickel. Alors, ce qui est bien, c'est que les pignons, ils sont symétriques. Alors, pardon, oubliez ça.
On peut vraiment pas se tromper. Voilà, la plaque du dessus. Et on n'a plus qu'à remonter notre moteur. Alors, par contre, on va prendre... Normalement, il n'y a pas trop de possibilité de se tromper, mais on va quand même faire gaffe. Parce qu'il y a un petit ergot ici, et un petit ergot là. Ce qui fait que quand on remonte, normalement, on ne se trompe pas de sens. Voilà. On rebranche, on revisse, pardon. Si tu veux t'arroser seulement, tu peux découper une... J'ai une vis M5, ça fonctionne un peu. Ouais, voilà, c'est pas la même... C'est pas la même efficacité qu'un tarot. Je suis dégoûté de ne plus avoir mon tarot M5. Bon, c'est pas grave, je... S'il y a juste ça... Mais le problème, c'est que j'ai ni mon cerveau M5, ni mon... N'importe quoi. Ni mon tarot M5, ni mon porte-tarot. Alors ça, c'est un peu plus... C'est un peu plus embêtant. Alors, comme d'hab, on met les vis, on ne serre pas tout de suite. Voilà, juste à peine. Et toujours les vis en diagonale. Voilà, donc là, hop, je vais faire celle-ci. Voilà. Un quart de tour, hop. On continue. Hop. Et hop, voilà. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Si on entend, là, je peux l'actionner à la main. Donc, on va le dénuder. Et je vais vous le montrer juste pour celui-ci. Juste pour vous montrer, effectivement, ce que c'est que d'actionner la partie couple sur notre moteur. Alors... Chose à ranger là. Déjà le bazar. Donc celui-là n'est pas fait, on va le mettre de côté. Amtaro. Amtaro. Ça c'est drôle. Alors, on dénude nos deux fils. Voilà. Là. On va le brancher sur notre petit alim. Est-ce que me tenir à la main, c'est pas encore trop grave, je pense. Quoique. Alors, par contre, il faut que j'ai la vis. Voilà, donc notre vis est au-dessus. Hein. Donc là, pour l'instant, notre vis n'est pas insérée. Donc là, il n'y a pas de couple. Et effectivement, si je démarre... Voilà, donc j'ai mon alimentation là, boum. Donc en 12 volts, on va le mettre en 5 volts. Ça, voilà. Il tourne. Effectivement, vous voyez tourner. Sauf que si je l'attrape avec la main, il y a zéro couple. Voilà. Et en fait, ce que vous voyez peut-être pas à la caméra, c'est que ici, je vois que le truc tourne à l'intérieur. On va mettre sur pause. Sur pause, sur stop. Et on va venir serrer notre vis. Ah, pas encore. Ça sert à rien de serrer comme un barge. Ah, voilà. Là, ça fait clonk clonk, donc je suis entre deux crans, donc c'est parfait. Hop. Alors là, non, j'ai trop serré. On va revenir un tout petit peu en arrière. Là, ça semble pas mal, parce qu'il faut pas non plus trop appuyer, sinon... Le moteur démarre pas. Voilà, là on est pas mal. Et maintenant, hop, je le fais démarrer. Et alors là, vous voyez, je suis juste sur le cran. Donc c'est pas encore assez enfoncé. Ah. Voilà, là ça bougera plus. Voilà, là le bruit déjà plus le même. Et alors là, effectivement, quand j'essaye de l'arrêter, je peux pas le maintenir. Il tourne encore. Il essaie encore de tourner. Enfin, il fait un bruit sacrément bizarre. Je pense que je l'ai serré au mauvais endroit. Alors, attendez. Voilà, là, on est bien. On est sur quelques filets. Hein. C'est vraiment pas... Là, on est pas mal. Salut, Totof! Ah, maintenant, il y a plusieurs résolutions. Ah, cool. Écoute, moi, j'ai rien fait. Hein. Dans une personne, j'imagine, il y a des... Exactement. Bah, si tu regardes le live de la semaine dernière, on l'a démonté, et il y a des billes et un ressort. Effectivement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne.
que j'avais expliqué la semaine dernière. Là. Ça fait un bruit bizarre. Ça va nous permettre de savoir si on a. Ah. Il y a un truc chelou. Il y a un truc très bizarre. Ça ne devrait pas faire ce bruit-là. Alors peut-être qu'on a mal remonté quelque chose. Hein. Alors, je sais pas ce qui se passe. Soit c'est ça qui est en train de glisser. Là, ça bouge plus du tout. Voilà, c'est bon. Nickel. Alors, c'est marrant. Vous entendez? Ça veut dire qu'en fait, mon alimentation, elle capte un petit peu la puissance. Et elle n'arrive pas à monter au max de ce que le moteur peut monter. C'est-à-dire que là, on peut consommer bien plus de 10 ampères au démarrage. C'est pour ça que quand on va venir faire notre électronique, il faudra prendre en compte cette consommation pour justement bien dimensionner nos drivers. Donc là, on a un moteur qui fonctionne. Voilà. Qui a patate de pêche. Hein. Moi, je ne mets pas les mains. On va le mettre de côté. On va éteindre. On va le débrancher. Et on fera le câblage après. Et donc lui. Il est impeccable, il fonctionne. Hop, voilà, on va le nettoyer. On va lui remettre sa petite vis M5 avec le filetage à gauche. Ce sera nickel. C'est qu'il y avait une astuce miracle. Alors, oh non, pas de mon côté malheureusement. Non, c'est vrai, ça peut venir à partir si j'ai disposition. Ah d'accord, ok. Là, ce que tu disais la semaine dernière, peut-être. Courant de tirage de démarrage, exactement. Et ça, franchement, les gens s'en rendent pas compte, mais un moteur continue quand même au démarrage. Surtout quand là, on est à vide, hein, parce que faut se dire que derrière, il va être chargé, il va falloir qu'il démarre, etc. Pour ça qu'on met des rampes de démarrage sur les moteurs. D'un coup comme ça peut soit consommer trop et donc faire sauter les drivers, soit juste pas bouger du tout parce que bah en fait, il n'y a pas assez de puissance au démarrage. Ou que le driver est pas en capacité de fournir cette puissance. Bon alors attendez, parce que là, on n'a pas du tout. Donc ce moteur-là, il est fait, on le met de côté. Celui-ci, c'est un ancien moteur. Celui-là, c'est le moteur d'origine. Et maintenant, on se met sur le second. Ah non! Je suis à plus de 10 ampères en faisant. Clairement plus. Justement, ma machine, elle est limitée à 10. Je peux pas mettre plus, en fait. Non. Pas sur cela. Et je me suis vraiment posé la question. Mais c'est le SC en fait qui fait le job derrière. Hop là. Le problème c'est que relancer, enlever, bon, c'est toujours un petit peu embêtant. Alors, est-ce que l'autre? Eh oui, l'autre aussi, le pignon n'est pas fixé. Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je le redis. Mais ça veut dire que si on a un axe de sortie qui est exactement le même, et franchement, honnêtement, ça a l'air d'être vraiment du standard, on peut vraiment mettre un moteur de bourrin. Et alors là, les amis, on commence aussi à s'amuser. Alors là, il y a tout qui part. Bon, de l'autre côté, est-ce que c'est pas plus mal? Voilà, hop! Ça fait plaisir. Moins de travail, moins de graisse dans les mains. Hop! Alors, on va enlever la contrevis. Voilà, alors, on va essayer de mettre la vis au même endroit que l'autre, donc c'était sur cette pièce-là. Ah, tu as un décalage? Possible, hein. Alors, par contre, je trouve que 4-2, c'est un peu peu. J'aimerais bien passer à 4-5 parce que j'ai un peu foiré la
Tout un roulage de l'autre côté. 4, 5, je n'ai vraiment pas besoin d'en avoir. Ça, c'est du 5, ça. Ça, c'est du 6. Quatre, cinq, j'en ai. Effectivement, Edric. Apparemment, Rixan a un petit souci. Est-ce que vous avez aussi, comme lui, un petit décalage? Pareil, par moment, je prends une doublette de la musique. Ah! Ah, mais je sais pourquoi. Je sais exactement pourquoi. Parce qu'en fait, vous êtes en face de mes enceintes. Mon micro est en face de mes enceintes. Moi, j'écoute de la musique aussi. Alors, on va descendre la musique de mon côté. Voilà, sinon, il faudrait que je mette des écouteurs. Ouais, mon micro. C'est un peu embêtant, ça. Mais ça veut dire que là, vous n'entendez plus la musique. Alors, comment on va faire? Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. Non, les micros de cam sont désactivés. Non, non, c'est mon micro, celui-là. C'est très très sensible. Mais je pense que je vais faire un. Faudrait que je fasse ça pendant un live, un cache, dans ce sens-là. Parce que ce que je veux, c'est prendre uniquement mon son de ma voix qui est devant et éviter de prendre le son de mes enceintes qui sont juste là. Alors, si jamais vous foirez. Dans votre insert. Dans votre insert. Pas tout de suite les inserts. Tout à l'heure. Dans le filetage de votre vis, etc. Bah, c'est pas grave, hein, vous avez 8 trous alors, sur ce truc-là. Donc rien ne vous empêche de recommencer à un autre endroit. Tant que vous foirez pas le. Comment? Le support. Il n'y a pas de problème. Sors la plieuse, on va faire le cache. C'est vrai que ça pourrait être. Oh, j'aimerais bien faire un truc un peu arrondi, un peu fun. Avec la plieuse, ce serait un peu compliqué. Avec la. Là, oula. On se calme. Avec la partie. Avec une. Pas une thermoformeuse, mais. Si, avec une thermoformeuse, ça pourrait être aussi fun. Et avec de l'air chaud, ce serait un peu plus rigolo. C'est bien connu, l'air chaud, c'est rigolo. Machine à tri, ananas, fruits à toi. Mon Dieu. Un micro unidirectionnel sur toile. Merci Zeta 1403, bienvenue dans la communauté. Ça fait plaisir. Avec une IA qui oriente le micro. Non mais vous pensez vraiment que je suis en capacité de faire ça? En vrai, c'est pas le truc le plus difficile à faire. Même pas besoin d'une IA. Hein. Bon, là, par contre, c'est bien, c'est que j'ai ça, mais je suis même pas sûr de pouvoir le réinsérer. Non, c'est pas une bonne idée, on va quand même l'enlever. Est-ce que. Ouais, parce que je vais jamais réussir à le remettre parfaitement comme il faut. Ah. Voilà. Pas très fan de la graisse, honnêtement. Mais bon, il faut ce qu'il faut. D'ailleurs, si vos moteurs sont. Voilà, s'il y a un peu de graisse, mais que c'est pas fou, que c'est un peu noir, bref, vous avez un petit doute, faut pas hésiter à en remettre un petit peu, voire à tout nettoyer et en remettre une nouvelle. Je sais que moi, sur les premiers que j'avais démontés, la graisse était sacrément bah, dégueulasse, hein, il n'y avait pas d'autre mot. Et honnêtement, et finalement, ça m'a pas aidé ce système. Et honnêtement, j'en ai remis, j'ai tout nettoyé, j'ai tout sorti, tout nettoyé. Et c'était bien mieux après. Alors celui-là va nous demander donner plus de fil à retordre, quoi. Allez. Bah alors. Quand tout est orienté. Allez mon coco, tu peux le faire. Ah voilà,
Nickel. Alors surtout pas appuyer hein, sur les roues, hein. Délicatesse, bien évidemment. Merci Geektux 54. Bienvenue à toi. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Faut faire une cintreuse, ça serait rigolo. Ah non, les ESP. Faut vraiment que je m'y mette, les ESP. C'est vraiment un truc que j'ai laissé vraiment de côté. Alors. Voilà, nickel. Tourvis. Je suis assez content qu'ils aient mis des torques d'ailleurs. Avant, c'était des vis cruciées. Et le torque, c'est quand même vachement mieux. Deux petits micros pour orienter. Oui, voilà, c'est ce que j'ai pensé, Yodim. Eh, bonsoir, Yodim, j'ai même pas vu que t'étais là. Moi, j'étais parti plutôt pour faire un truc dans ce genre-là. Effectivement, du simple. Du simple. Bienvenue sur l'électronique et on apprend des faits intéressants. Merci, Canal Louip. Bienvenue. Ça fait plaisir. Coupe la 6 que tu nous diffuses et on reçoit que celle de ton retour des HP. Tu coupes le son. Oui, c'est vrai. Vous avez encore des problèmes là? Ah, yes. Fail. Celui-là, il avait plein de graisse. Mais attends, comment ça se fait que je... Bah, je ne sais pas, Yodim, je ne sais pas. Merci, Yodim. Bienvenue, ça fait plaisir. Quelle honte! Quelle indignité! Grâce à la vie, exactement. Bon, alors, les forêts sont rangées. On va. Ah oui, pardon. J'ai une idée, ça. Hop. Alors je serre à peine, je serre quand même sur le moteur, c'est juste pour le maintenir. On sait pas très bien. Hop, 5 volts. Ah. I. 6 passes. Pourquoi I? Pourquoi? Boum, boum, boum. Ah, il démarre pas. C'est intéressant ça. Pourquoi? Bloqué déjà, bah non, y a pas de raison. Là, je l'entends qu'il essaye, mais ok, 12 volts, ça a marché. Bon, soit. Voilà, vous spammez le. De ceci, ce petit live sympa. C'est un moteur non violent. Non, non, pas cramé. Non, non, juste en fait, il n'arrivait pas à démarrer. Alors là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que par à travers, vous le voyez pas. Je vois où la vis passe. Et donc, je vois si je suis dessus ou pas. C'est plutôt pratique. Là, on est pas mal. Et on va quand même bloquer le couple. Alors, pas trop. Pas trop, pas trop. Nickel. Qu'est-ce que ça donne là? Oh. Quand même sacrément du mal le coco. Ah, c'est mieux. Non, j'arrive à l'arrêter alors que. Quand même vous montrer la puissance. Vous voyez, donc je suis en 12 volts, réglé à 5 ampères.
Il va essayer de maintenir les 5 ampères, mais il va pas réussir à maintenir la tension. Parce qu'en fait, lui, pour lui, tout ça, c'est une puissance. Il va essayer de maintenir la puissance. Sauf qu'il va pas y arriver. Et hop, au fur et à mesure, hop. Voilà, là, il a atteint 5 ampères, 12 volts. Si je le freine un peu, là c'est la tension qu'il prend pour maintenir du coup la puissance. Je peux le changer ça, d'ailleurs il l'indique là. Hop là. Donc nickel, on a deux petits moteurs impeccables. Et bienvenue Zactotend. Bienvenue à toi. P égale UI, exactement. Exactement. Moi, j'ai pas pigé cette histoire de. Tu peux expliquer vis, vis. Ah, je vais pas tout redémonter, mais en gros, tu reviendras un petit peu en arrière sur la rediff. Il y a des crans en fait sur ce truc-là. Et normalement, en fait, il y a des billes qui passent à l'intérieur. Parce que c'est issu d'une perceuse. Donc, tu as des billes qui sont dedans. Et quand tu tournes ton mandrin pour régler le couple, en fait, ce qui se passe, c'est que tu écrases plus ou moins les billes avec un ressort. Voilà. Ce qui fait que ça bloque plus ou moins la pièce qu'on a démontée qui est autour là. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand il y a quand t'es en limite de couple, en fait, les billes sautent tuc, 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 sur le ressort. Cette pièce-là, en fait, elle tient plus. Et donc du coup, le moteur, lui, il a plus de couple en sortie. Et donc ce qu'on va faire, en fait, c'est que plutôt que de laisser tout ce système qui est encombrant, eh ben nous, on veut du couple tout le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on met une vis pour justement maintenir la pièce à l'intérieur. Que tu vois, ici, je peux pas le tourner à la main. Pour qu'on ait toujours le couple au maximum de notre réducteur. C'est un peu, ouais, débrayage. Oui, c'est un limiteur de couple. Et du coup, là, on limite plus du tout le couple. Là, si jamais il se passe un truc, c'est soit la vis qui saute, soit c'est la partie intérieure qui prend, soit le moteur. Enfin, là, tout explose, quoi. Il y a deux écoles, hein, soit les gens mettent une vis, soit les gens mettent un joint torique. Parce que j'en ai un là, pour vous expliquer. Mais je l'ai déjà fait et je suis moyen fan. Alors c'est pas le bon joint, mais en gros, ils mettent un joint torique ici. Voilà. À ce niveau-là. Ils referment tout. Du coup, il y a un couple. Et quand il y a un problème, en fait, c'est le joint torique qui prend, qui s'arrache complètement. Et il suffit de démonter le moteur et changer le joint torique. Et d'enlever toutes les cochonneries qui sont à l'intérieur. Mais pourquoi j'aime pas? Parce que bah déjà, en fait, ça vient. Tiens, attendez. C'est quoi ces charbons? Ça vient en fait appuyer sur le carter et je trouve pas ça propre. Et en fait, le couple il est vraiment limité finalement. On n'a pas le couple maximum et dès qu'on atteint le couple maximum, là c'est le joint torique qui saute. Ça peut être intéressant par contre si jamais c'est un moteur pour pouvoir entraîner une arme par exemple. Parce que du coup, sur une arme ça va se prendre quand même sévère et s'il n'y a pas de système pour limiter ça. Le joint torique peut vous sauver votre moteur et donc du coup vous perdez votre arme, mais au moins vous pouvez encore vous mouvoir et du coup faire des points en fait, parce que sinon vous êtes un peu à la ramasse, vous avez juste un moteur qui marche plus et donc du coup une roue qui tourne plus quoi, donc c'est un peu dommage. Hop, je vais éteindre ça. Salut Apple Computer! Ah, tu l'avais pas vu? On l'avait fait en live aussi, celui-là, le meuble tiroir. C'est très très bien. Je suis très très fan. Alors attendez, j'ai quand même chaud en fait. Finalement, je vais enlever un pull. Alors, deuxième moteur fait. On va se faire un peu de place. Parce que maintenant, on va attaquer le câblage. Hop. Alors, ça. J'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça, il faut que je l'ai absolument que je les nettoie, qu'on les mette de côté. Là. Se faire un peu de place, ranger pour éviter de perdre des choses, c'est important. Regardez, sinon on aurait oublié le moteur, la vis, pardon. Voilà. Et ça, c'est. Alors pour essayer, pour avoir déjà essayé d'en retrouver des vis comme ça, c'est très très chiant. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, oui. Ça, tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors. Orange. Il nous faut notre fer à souder.
Notre câble. Alors là, je vais prendre, c'est du 12 AWG pour pouvoir faire le câblage de mes moteurs. Et comment on va les câbler? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs, ils vont être fixés sur une impression 3D. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. Donc il y en a une d'un côté. Alors celle-là, elle vient juste d'être imprimée, je ne l'ai pas nettoyée. Un peu dégueulasse. Voilà. Clac. Salut Mas Philippe. Hop. Oh, merci Mas Philippe. Merci de lâcher ton Prime ici. Ça fait super plaisir. Ah zut. Alors attendez. Bon, c'est pas grave. Il me manque une pièce. Bon bref. Ces deux moteurs là, ils vont être fixés comme ça, à peu près. Voilà. Et vous voyez ici, le problème c'est que les câbles font à ce centre-choc et c'est pas la joie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir deux câbles vers le haut, comme ça. Et tout de suite, on va les câbler avec des connecteurs belette, comme ça. Pas belette, voilà, on a déjà fait la blague la semaine dernière, mais belette comme une balle. Ce qui va nous permettre du coup après de nous connecter dessus avec notre chemin de câble comme il faut, voilà, et ça on le fera plus tard. Mais tout de suite en fait on va venir mettre ces petits connecteurs là pour avoir notre câblage de près et pour voir directement jouer avec si on a besoin. Donc je vais en avoir besoin de 4. Donc en fait techniquement on va faire ce que j'ai fait là. Mais à 90 degrés. C'est. Et on va faire ça avec du double 12 AWG. Donc, hop, là les pièces, ça, on reviendra dessus après. Expliquer ça plus en détail. On va d'abord enlever les ferrites. Voilà. Oh. Chauffer. Ouais, il a chauffé. Et on va essayer d'enlever ça proprement. On va voir comment c'est fait. Prendre un petit scalpel. J'en profite, je prends ma gaine thermo en même temps. Ah, il y a une petite vis qui reste là. Ah ouais, t'es sur une montagne. Oui, voilà, exactement, Rixan. Effectivement, je pense, je suis pas trop ce que vous dites au-dessus là, parce que vous êtes parti loin, mais c'est exactement ça. Oh, merci, The New Alex, bienvenue. Ah bah non, attends, c'est ton deuxième mois, et ben c'est encore plus cool. Rebienvenue. Alors, on va monter ça. Merci Tholomé 1. Oh, ça fait super plaisir. Merci, merci. Alors, là, alors comment ils ont fait ça? Alors souvent, c'est juste. Ah ouais. C'est pas véritablement soudé, c'est un genre de collage. Je vais voir comment on peut enlever ça. Alors, je crois pas que j'en démonte, ils font un truc différent. C'est bien. Je sais plus qui est-ce qui me disait ça. Ah si, c'était sur la rediff de la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui disait que c'était un peu dommage d'acheter des nouvelles perceuses pour pouvoir les récupérer les moteurs et qu'on pourrait reprendre les moteurs sur des modèles déjà utilisés. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça, c'est ce que je voulais faire au tout début, quand j'ai commencé. Le souci, c'est que vous avez bien vu, j'ai eu. Là, on a trois moteurs différents, de trois perceuses qui sont censées être les mêmes, qui sont les mêmes d'ailleurs. Et donc, sur 3 ans. J'ai eu des réducteurs qui étaient différents, j'ai eu des moteurs qui étaient différents, j'ai eu du câblage qui était différent, j'ai eu des sorties qui étaient différentes, des vis différentes. Bref, en fait, si je commence à prendre de faire de la récup, je ne sais déjà de une pas comment les moteurs ont été utilisés par les gens. Donc souvent, en fait, ils sont mal utilisés. J'ai du mal à les démonter, ce qui est vraiment, vraiment très chiant. Soudure à froid, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, effectivement. Et en plus de ça, mécaniquement et électriquement, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc j'ai un robot qui, potentiellement, va partir de côté. Donc c'est un peu dommage. Et au final, pour 15 euros, en vrai, récupérer les batteries, les chargeurs, les moteurs, si c'est juste du démontage, c'est pas une mauvaise chose. Alors, par contre, soudage à froid.
Pas faire grand chose en fait. Au final. Je vais être obligé de couper à la base. Et puis me ressouder dessus, quoi. Alors, on va prendre l'aspirateur à réalité. Notre support d'étain. Voilà. On va démarrer tout ça. On va couper le fil au ras. Comme ici, c'était là, ils ne veulent pas que tu continues. C'est ça. Hop là. Ça défile. Honnêtement, vu la qualité, on va les dégager. Ouais, parce que 10 ampères dans ces petits câbles là, ça me fait. Enfin, plus de 10 ampères dans ces petits câbles, ça me fait bien marrer. Enfin, bon, bref. Regarderai. Le problème, c'est que ma caméra n'est pas de super bonne qualité à cette distance. De toute façon, c'est bien simple, hein. Je pense que. Moi, je peux rien faire, hein. Je peux pas. Difficilement faire autre chose que de rajouter de l'étain et puis remettre mettre mon fil dessus. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire, on va réétamer un petit peu les moteurs. Mon support. Est-ce que je peux les mettre comme ça? Oh oui, nickel. Impeccable. Essaie de griffer un assez. Hop, voilà. Alors, on va se mettre bien. Voilà, nickel. La même chose de l'autre côté. Surtout quand vous faites du câblage ou autre, un aspirateur à étain, à fumer d'étain, c'est quand même bien. Ouf, par contre, pas une bonne idée. Je viens de me rendre compte de souder comme ça. Parce que là, j'ai une bulle d'étain qui est tombée. Ah. J'aurais dû le faire à l'horizontale. Voilà. On va recommencer. Donc, mauvaise idée. Voilà, vous le saurez. Beaucoup mieux comme ça. Ok. Alors, maintenant que ça c'est fait. Court-circuit sur la carcasse, ouais. C'est ça. Ne pas faire ça, ne pas faire ça. Merci, Stevunien. Bienvenue à toi. Touk-touk. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que. On va faire quoi? On va faire du 10 cm. De câble, ça suffit largement. Le but, c'est d'avoir juste un tout petit peu de câble qui sort. Et après, le câblage, on le fait à part. 10 cm, ça me semble bien. Voilà. J'essaie de faire à peu près la même chose des deux côtés. C'est moins impactant dans ce genre de robot, honnêtement. Mais on fait ça propre. Et dans le robot de la coupe, où j'ai pas forcément beaucoup de place, c'est vrai que c'est plus compliqué. Là. Oh, par contre, 12 AWG, je sais pas si la personne le fait. Oh si. Alors, ce qu'on va faire. Merci pour l'atelier. 10 cm pour 10 ampères. Voilà. On va pas. On va essayer de dénuder. Pas comme des cinglés, hein, juste ce qu'il faut. Parce que là, quand même, il y a quand même beaucoup de cuivre. Ce qu'on veut, c'est juste être comme ça. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer pour mon. On va gagner thermo. On va voir ce que ça donne. De l'autre côté avec le rouge. Voilà. Et oui, je vais faire un moteur l'un après l'autre. Parce que comme ça, j'essaye si jamais je me plante. Ou si ma technique n'est pas bonne. Au moins, le second sera bon. Donc ça, on va le laisser de côté. On va prendre notre stick vise. La référence est une Jokari Super 4+, originale, que tu peux trouver un peu partout. De mémoire, je crois que je l'ai eu sur. C'est peut-être sur Amazon, celle-ci. À voir.
Très bonne pince. Le seul souci, je trouve, par rapport à celle que j'avais avant, c'est que l'autre, on pouvait la bloquer dans cette position-là pour la ranger, alors que celle-ci reste toujours ouverte. Et le petit réglage est un peu plus difficile. Mais en vrai, très bonne pince. Vous coupez le câble ici, on n'en sert jamais. Mais... Hop. Alors, on va étamer notre fil. Ça, on peut être vraiment au plus proche. Éviter les fumées. Je sais pas combien. On va monter un petit peu parce que c'est une grosse section. Alors c'est là où pour le câblage, vous avez quand même besoin d'un fer avec une puissance assez importante. Parce que sinon, le souci c'est que voilà. Vous n'arrivez pas à faire chauffer votre câble suffisamment pour que l'étain ou tout le reste vienne se coller dessus. Donc c'est là où la puissance d'un fer est intéressante. Et en particulièrement ces câbles-là, à étamer, c'est pas la folie. Ceux qui font du drone ou de l'ARC le savent. Hop. Voilà, nickel. Une fois que c'est étamé, alors par contre, je vais peut-être pas le prendre avec la main. Mine de rien, c'est un peu chaud. C'est un petit peu de faire ça. Hop. Et on va faire le second. J'ai l'impression que tout a changé. Ah bah, il en est passé à l'étamage. Non, je regarde pas le chat, je me concentre. Pas que c'est particulièrement difficile, mais le but c'est de pas chauffer le câble trop. Voilà. Pas mettre trop d'étain non plus. Voilà. Et là on est pas mal. Là on est bien. Alors, sachant que je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Ah non, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. J'ai pas vu là. Voilà. Sachant que je vais devoir faire l'autre côté aussi. Qu'est-ce que je fais? Je le fais tout de suite. Le problème, c'est qu'après, j'ai de la gaine thermo. Donc, je vais pas le faire tout de suite. La gaine thermo, ça va être un peu chiant. Alors, maintenant, on va se mettre ici. Et on va essayer de les mettre dans le même sens. Alors, comment j'avais fait de ce côté-là? Faire la même chose, donc ça veut dire le rouge au-dessus, le noir en dessous. Donc on va commencer par le noir. Voilà. Et ça sera impeccable. La mort, ces fils. Ouais, il faut vraiment faire ça au fur et à mesure, tranquillement. C'est pas très dur, mais c'est un petit peu compliqué. Du silicone, tu peux y aller. Oui, mais par contre, je me crame les doigts quand même. Bonsoir, Stem là-haut. Maintenant que ça a étamé, voilà. L'avantage, c'est que mon fil là est soudé. Ah, c'est plutôt pas mal. Gros avantage de d'étamer avant. Et alors, par contre, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Donc, on va le dessouder tout de suite. Tout simplement parce qu'en fait, là, les fils, ils devraient pas être orientés dans ce sens. C'est bien, on fait les erreurs sur un. On fait une toute petite bêtise. Voilà. C'est de laisser l'étain. Voilà. Allez, par contre. Ah, je suis ça. Je vais pas être à main, c'est chiant. Mais dans l'autre sens, vous n'allez pas voir grand chose. Tant pis. Non, bah non, toujours pas. Attends.
Dans quel sens il faut que je l'oriente? Oui, non, c'est bon. Comme ça c'est le bas. Ah, non, ça c'est bon. Ok, je sais pas pourquoi j'ai bloqué là. Là, on est bon. Bon, si ça se trouve, j'ai fait de la merde. Nickel. On voilà un. Boum boum. Les doigts, c'est une invention du lobby des gants. Alors, maintenant. Dans l'autre sens. Allez. Nickel. Dans le nez alors. Oh mon Dieu. Ah, vous êtes vraiment là-dessus quoi. Ok, impeccable. Vous voyez, voilà, je vais avoir les deux fils qui vont sortir sur le dessus. Donc, ce qui veut dire que quand je vais avoir le support qui vient ici, il faut vraiment que je nettoie cette pièce qui est dégueulasse. Et l'espaceur entre les deux, et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, il n'y a aucun souci. Du coup, je vais avoir mes deux fils qui vont passer là, et je vais pouvoir coller mes moteurs de manière très propre. Et ça fait plaisir. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre de la gaine thermo. Gaine thermo. Où est-ce? C'est là. Salut, Piment Paf! Pimento FR, Pimento FR. Eh ben, Pimento, salut! Effectivement. Ou dans l'oreille. Là, c'est parti sur un truc un peu bizarre, là, les amis. Est-ce que c'est encore chaud? Ah mince, quelle andouille. Bon, j'ai coupé le mauvais. En fait, il faut que je prenne un tout petit peu plus gros. Alors, comment ça va se positionner? Le bleu, ce sera pas assez gros. On va prendre le deuxième bleu. Non, pas de souci. J'ai eu du mal avec eux en lisant ton pseudo comme ça. Et parce que j'ai pas eu le piment. Et donc, du coup, j'ai mis un peu de temps pour me rendre compte que c'était toi. Ah, regarde, t'as des fans en plus. Suivez Pimento, il fait de l'électronique, c'est trop bien. Bon, c'est pas fou, on va venir remettre un peu de scotch en plus pour protéger les gaines. Pas faire grand chose de mieux. Alors après, je peux peut-être essayer un truc, je vais couper à un endroit, on va voir ce que ça donne. J'y vais au bluff, hein, les amis. Hein. Là, c'est un peu la première fois que je le fais dans ce sens-là. Donc là, j'ai coupé un petit morceau. On va voir. Est-ce que ça marche? Alors ça va marcher. Mais est-ce que quand je vais le chauffer, on va le faire que ce soit plus doux avec le fer à souder. Et là, vous voyez que dalle, en fait. Je viens de me rendre compte. Voilà. On va contrôler ça. C'est pas mal, là. Nickel. Voilà. Impeccable. Un petit peu le faire pour faire ça. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est une bonne technique, ça. Ah, Rixan, j'ai pas vu ton message, mais on a eu la même idée. Je viens juste de voir ton message. Il y a un petit décalage avec le chat. Je sais pas de combien, d'ailleurs. Ce serait intéressant que je le mette. Pour que vous sachiez, parce qu'en fait, des fois, c'est vrai que les gens, ils voient... Enfin, le décalage n'est pas voyant, c'est pas criant pour vous. Salut, Franjuju! Comment tu vas? Salut, Fanlou! Salut, les loulous! Voilà, nickel. Alors, en vrai, c'est propre. Hein. Peut laisser comme ça. Hein. C'est nickel.
On va laisser les câbles refroidir là. Et on va passer au second. Ouais, le câblage, c'est un peu long, hein. Il faut le faire. Voilà. Impeccable. Allez, hop. Parce que ça, c'est les dernières choses qu'on doit faire sur les moteurs. Et après, on passe à la deuxième partie du live. Hop. Une partie sur... Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire un peu de CAO ou on fait un peu de... Il va falloir que je vous présente un petit peu la forme du robot, enfin, les idées que j'ai, de toute façon avant de faire de la CAO, donc ouais, il va falloir qu'on y passe, parce qu'elle est ma Jokerie, elle est low. Elle est low, elle est low. Plus propre que les câbles d'origine, ah bah clairement. Clairement, clairement. Une poubelle sur roulette, les amis. Sujet d'un live quand j'aurai le temps. Motorisé, bien évidemment, avec des moteurs de perceuse. 7 secondes de décalage. Ah oui, la vache. Quand même. Et en plus, tu comptes que moi, je vois pas forcément le truc tout de suite. Juste une soudure à l'état à plat avec une gaine pour un robot de combat, c'est pas un peu sensible au choc. Alors, en fait, là, les fils, là, une fois que ce sera câblé, tout ça sera serti, enfin, colsonné sur un truc rigide pour justement éviter qu'avec les vibrations, avec plein de trucs, ça bouge. Parce que oui, clairement, je peux pas faire grand-chose d'autre que ça, ou alors détresser le câble et puis le mettre entre les deux. Enfin, bon, j'ai déjà essayé plusieurs techniques. En vrai, ça se répare bien, ça va pas sauter tout de suite. Et en plus, comme je te dis, ça sera colsonné quelque part, donc ça bougera pas en fait. En vrai. Et ça se répare vite, c'est ça aussi qui est bien. Salut Philippe Minerve! Mais certi, moi j'ai pas de quoi sertir en fait. Un petit peu. Col bâton. C'est pas bête. C'est pas bête ça. En plus, je pourrais faire ça, effectivement. Allez. Ça chauffe un petit peu. Pas très certain, coûte la peau du cul. C'est vrai. C'est vrai que tu passes pas s'insertir faire ça. Bon, après, pour le peu que j'utiliserai, c'est-à-dire une fois par an, investir là-dedans, pas sûr de l'intérêt. Merci, mon droïde. Bonne année à toi aussi. Alors, lequel il y a le plus de mal à s'imbiber de ce côté-là? C'est toujours très long. Hein. 20 minutes de live dans lequel le gars met de l'étain sur un câble. Merci, c'est la Rips, bienvenue à toi. Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'avais peur que ça n'aille pas. Bon, je suis très content de cette passe. Même pour du câblage, ça sert. D'accord, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé pour faire des cartes. Ah, c'est vrai que si, j'ai fait des cartes avec. Une bêtise. Alors, n'oubliez pas hein, les refs. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein, parce que bon, là, on fait plutôt du câblage, mais il y a les refs de la semaine dernière, si vous voulez savoir ce qu'on a fait la semaine dernière, si vous voulez avoir les liens vers les moteurs, vers tout ça, c'est possible. Oh, que c'est long, ces câbles, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment très très long. 12 AWG, c'est trop. Oh, merci, Fanlou! Merci de lâcher ton Prime ici, ça fait super plaisir. Merci. Et je rappelle, hein. Alors, du coup, les abonnements, tout ça, les tips, le merch, et ben tout ça va directement à mon équipe pour lesquelles on fait ces bricolages-là. Hein. Donc, vous aidez les caribous.
quand vous lâchez de la thune, la thunasse, de la moula sur le live. Donc ça fait plaisir à moi et ça fait plaisir à mes coéquipiers également. Ça nous aide énormément. Oui, mais je l'ai pas mis trop fort. Effectivement, humanoïde, c'est un vélaire. Avec un fer bourrin, en fait, ça va plus vite. Faut que je m'en prenne un, en fait. Faut que je me prenne un fer à souder un petit peu plus vénère pour faire du câblage, mettre des inserts, des trucs qui demandent moins de précision. Ah, oh, je l'ai pas mis près de moi. En vrai, j'ai un vieux fer à souder, j'ai mon premier fer à souder, mais la mine et la panne et la mine, n'importe quoi. La panne est complètement morte et malheureusement, ils font plus ce genre de panne. Donc, à moins d'en refaire une moi-même, je peux plus vraiment l'utiliser. Je suis un peu dessus, c'est un fer à souder qui te brûlait les doigts, mais j'ai appris avec. Voilà, c'est un peu. On fait un. Et peu puissant. Non, je l'ai limité, j'ai limité. De l'UTBM moi non 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 je suis pas de l'UTBM par contre on a un des membres de l'équipe qui est de l'UTBM donc c'est peut-être pour ça que tu connais les caribous c'est la panne qui est trop fine ouais exactement là pour le coup ma panne est vraiment trop fine pour faire ce que je fais mais est-ce que j'ai une panne plus grosse je pourrais bon là pour maintenant tant pis mais j'aurais pu monter une panne plus grosse peux faire un live où je j'usine une nouvelle panne pour mon fer à souder. Ce sera rigolo. Oh, attendez. Fais-je une bêtise? Fais-je une bêtise? Donc, on garde le même code couleur. Voilà. Trop soudure également, on se panne. C'est marrant. Déduisez-en ce que vous voulez bien en déduire. Nickel. C'est good. Laissez refroidir un petit peu. Fais la gaine. De toute façon, tu n'as pas. Oui, mais tu sais bien que ça, c'est pas un problème. Non, ce que je veux, c'est que tous mes moteurs soient câblés dans le même sens. Même si j'en ai un droite et un gauche qui sont montés à l'inverse. Dans ma tête, il faut que tous les moteurs soient câblés dans le même sens. Parce que si jamais je dois changer, ça m'évite d'avoir à me dire, ah ouais, non, c'était le rouge sur le vert, parce que le bleu, machin, etc., et de ce côté-là, et de faire des nœuds au cerveau. Non, tous les moteurs sont câblés dans le même sens. Et après, soit on inverse d'un côté, ou là, ou n'importe quoi. Mais on part sur une base similaire partout, sinon c'est le bazar. Surtout, comme j'ai dit la semaine dernière, quand on est dans un contexte où à la Maker Faite il va peut-être falloir faire des réparations très rapides, des choses simples, symétriques, similaires. Et de manière générale, je vous conseille de toujours, si vous le pouvez, faire ce genre de choses-là parce que ça vous évitera de vous tromper. Ah, puis mes anciens collègues savent que je rigole pas sur les couleurs de câbles sur les projets quand ils sont finis. C'est du prototypage, ça va, et encore. Je suis un cinglé sur les couleurs de câbles. Mais alors, par contre, sur un projet fini, non, non. Si je peux, même les couleurs des gaines tressées ont une signification. Si je peux. Et je peux pas tout le temps. Je me soigne. Hein. Et si je peux, je le fais. Cette panne elle est très belle avec. Ah non, elle est vraiment défoncée. Ah, attends, tu veux passer la panne de celui-ci? Ah non, de l'autre panne. Peine de justifier un toc, c'est un toc. Effectivement, moi ce qui me fait peur, c'est que des fois j'ai l'impression que ma fille elle fait ça aussi. Genre, elle met bien son couteau ou sa fourchette toujours au même endroit. Et je pense que je dois le faire instinctivement. Elle doit me voir le faire. Elle doit se dire que c'est important. Elle le fait aussi. C'est quand même dangereux. Alors, oh, j'en ai perdu. Ah non, c'est bon.
Sur la coche. Ah non, c'est la base. Ah, celle qui est abîmée, ouais, tu m'as fait peur. Merci, Kawette. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, du coup. Ah, mais non, on n'a pas fini. Il nous manque à souder. Oh là là, ces trucs là-dedans, ça va être rigolo aussi. Ah, hop. Pour remettre de l'étain, tout ça, tout ça. On est reparti. Je vais jeter ça parce que ça va m'embêter. Soit tu commences à prendre un nouveau toc, tu parles avec l'accent canadien. Oh! Alors, ça me surprendrait parce que alors s'il y a bien un accent, je suis nul sur les accents. Mais alors s'il y a bien un accent que je ne saurais jamais faire, c'est l'accent canadien ou québécois. Qui sont deux accents différents, parce que sinon je vais me faire taper sur le. Ou alors c'est parce que je passe trop de temps avec Historicode et donc du coup il m'a refilé son accent. J'y crois pas trop. Histo, si t'es encore là, faut que tu me dises. Comment je vais faire? Fichtre, là, il va pas me servir à grand chose. Bon bah je vais étamer un peu comme je peux. Dommage. Par contre après ça va peut-être être intéressant. Je vais Non mais attendez, vous savez quoi? On va peut-être changer la panne quand même. Oh non! C'est pas vrai. Ah non, ça c'est du M4. Oh Yes, j'ai une panne un poil plus grande. Je pensais avoir trouvé mon. Comment dire mon. Mais ça t'a rodé. Hop. Voilà. Comme tarot. Pourquoi Ray le cascadeur, tu es québécois? Je ne savais pas. J'avais pas vu la taille de la panne trop fine. Ah oui, non, mais clairement. Bah, c'est ce que je disais au début. Hein, il me faudrait vraiment que je me prenne un. Et encore là, c'est la plus grande que j'ai. Un fer pour le câblage. Hein, parce que. T'as juste prononcé Calibou. Ah. Ouais, mais c'est trop facile ça. Oh yeah, là ça transmet beaucoup plus de puissance. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors, attendez, je vais mettre ça là-dessus. L'accent dans Disney. Après, les valeurs, c'est 60 ou 80 associations, donc la commission des valeurs, il faut juste les bonnes pannes. Ouais, c'est ça. Et en plus, là, je pense que je pourrais avoir une panne beaucoup plus grosse que ça. Mais ouais, je sais pas qui disait ça, mais un fer de 100 watts, ça serait pas mal. Pour le coup. Réglable, bien évidemment, parce que sinon. Impeccable. Alors, c'est là qu'on commence à se marrer. Parce que je pense que j'en ai mis trop. Et ça. Oh. En vrai. Ça a l'air de passer. Oh yeah. Le fabriques en live le fer, on compte. Oh, j'ai un ami là qui m'a envoyé un truc vraiment pas mal. Un gars qui s'est fait une double station avec deux alim plus le fer à souder, tout ça emboîté super bien. Dans un boîtier, enfin c'est très très propre, ça donne envie d'avoir à peu près la même chose. Là, on va se mettre ici. Et de se le fabriquer soi-même.
Allez. Je le fais. Ok. Impeccable, ça s'est plutôt bien passé. Automode connaît le Québécois. Oui, t'as vu? Tabarnak, il l'a pas pris. C'était trop bizarre. Attends, je l'ai. Ah, mais attends, mais je l'ai. Pourquoi ça n'a pas autorisé? Ah, c'est bon, ça a été autorisé. C'est rigolo. Alors, je le prends par le bout de la panne parce que je veux pas non plus que l'énergie que je vais mettre pour souder et pour faire chauffer le connecteur se dissipe complètement dans mon truc qui est métallique. Ce qui serait un peu dommage. Alors là, je suis tout petit peu trop grand. Okay. Par contre, est-ce que tu peux mettre correctement, s'il te plaît? Voilà. Impeccable. Image figée? Ah non! Image figée? Arrêtez. Je soude encore, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est pas très palpitant la soudure, hein, fatalement. Surtout la soudure de connecteur. C'est-à-dire que là, on est quand même sur. J'attends. J'attends. Alors, sur ces connecteurs, il y a un petit trou. Un petit trou. Il y a un petit trou jusque dessus. Je suppose que c'est pour passer l'étain pour le souder. J'ai toujours utilisé comme ça, mais je vous avoue que je suis pas super sûr de moi. En tout cas, ça a toujours marché. Ok, allez, hop, on fait les autres. Ah ouais. Et bah écoute, il est. Je crois que je l'ai mis sur le sur mon GitHub, si tu veux. Attendez, on va tout de suite couper. Vraiment plus court. Hein. Après, il demande à être un peu amélioré. Je trouve. Il est fonctionnel, mais pas incroyable. Ce sont les autres qui en ont. Comme dirait Perceval, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Voilà. Allez, le deuxième, on se finit ça. Et c'est toujours pareil. Je pense que l'année dernière, j'avais fait aussi ça. J'avais fait mes câblages en live. Et je me dis, oh, vas-y, en 45 minutes, c'est plié. Et en vrai, ça prend quand même beaucoup de temps quand on veut le faire proprement. C'est pas faux. Zo, ça on va pouvoir commencer à refaire un petit peu de. Oups, vous avez eu normalement un plan cheveux. On va pouvoir refaire un petit peu de fricade. Peut-être même d'impression 3D. Ce qui est bien, c'est que au moins la soudure, ça réchauffe.
ma panne a eu mal. Le prétexte de la soudure pour pas avoir froid. C'est ça. Alors, ce soir, on va faire un live feu de bois. Hein? Moi, je me suis dit. Huit sur sel, bois, laser. Il y a un truc à faire. Est-ce que je me l'écaille? Être des... Il y a des trucs comme ça. Ah, il est chiant automode, mais en même temps en vérité il est en mode survie. Non, franchement ça va aujourd'hui. Non mais la semaine dernière il faisait froid. C'était fou. Non, là c'est très bien. Là je suis bien. Nickel. Il y a trois paires de chaussettes et les pieds emballés. Alors faut savoir un truc, c'est que même en été, je mets des chaussettes. Il peut faire 40 degrés, je mets des chaussettes. C'est horrible. Je ne sais pas ne pas mettre de chaussettes. C'est fou, hein. Alors là, on va faire un truc, c'est que je vais jeter tous les petits poils là. Parce que je viens de m'en mettre un dans le doigt. Et ça fait pas plaisir. Et j'ai. Je suis pas mon petit aspirateur. Dommage. Ok, donc ça on met à côté. Voilà, le numéro de cyber robot, on le range tout de suite. Le relique. Je vais le faire encadrer. Voilà, et on a fini avec la partie coup de mur normalement. Oui, c'est du 12, oui. Quelqu'un a demandé. 12, ouais, 12, ouais, c'est ça. Chaussettes à la piscine, on peut faire. Bah, t'as des chaussettes pour. J'ai des chaussettes que je mets pour les. Avec les palmes quand tu fais de la nage, hein. Voilà. Non, je déconne. Quand même pas, quand même pas. Ça va. Chaussettes et chaussures squelettes en plastique. Ah non, 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 non. J'ai pas ce. Non, non, non. J'ai pas ce mauvais goût là. Attention. Un mauvais goût. Chacun ses goûts. En tout cas, je n'ai pas ces goûts là. Non, non. Je pouvais même aller. Bon, maintenant, je ne le fais plus, hein, mais une grosse godasse de chantier avec des chaussettes, aucun problème. C'est parti. Alors, maintenant, il va nous falloir encore de la gaine thermo. Et oui, mais attends, je fais encore des trucs avec du chaud. Voilà. Salut, Roquetel. Ça, c'est un peu too much. Ça, c'est parfait. Alors, on va prendre... un connecteur femelle pour voir où est-ce que ça se connecte, parce que voilà, on va même presque le mettre avec le connecteur femelle, comme ça au moins parce que le but quand même, il faut faire attention, je mettrai une protection en plus, c'est que quand on vient de connecter ça ici là, ce soit pas à nu. Le cuivre sur le connecteur. Je suis un peu loin par contre. Parce que ça, c'est la meilleure manière de faire un court-circuit à l'intérieur, une vis qui tombe, n'importe quoi. Donc ça, tout ça, ça sera gainé. Voire avec une gaine un peu plus grande pour pouvoir faire un surplus au-dessus. Je sais pas si j'ai ça. Non, j'ai pas de moteur avec ça, mais bon, vous voyez l'idée. Donc le but, c'est vraiment de se mettre à rara. Pour ne jamais avoir de cuivre qui dépasse, quitte à venir remettre quelque chose au-dessus, un connecteur en plastique, une protection d'impression 3D, je sais pas, n'importe quoi, mais surtout, 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 on essaye de pas mettre des connecteurs à nu comme ça, dans un robot ou quoi que ce soit, et surtout dans un robot qui va prendre des chocs, qui potentiellement, comme l'autre, a une scie circulaire, ou je sais pas quoi, il va y avoir des étincelles, il va y avoir des morceaux de métal, ou juste parce que sur le terrain, il y a des morceaux de métal, tout ça, ça va arriver dans votre robot quand vous allez rouler. Enfin, moi, par exemple, le mien, il a été dans le gravier il y a 2 ans, hein, donc j'avais du gravier quand je l'ai démonté dedans. Donc, on fait super attention à ça.
Et mais il y a quelqu'un qui s'est abonné là. Ah oui, ici, M. Sefort, bienvenue. Merci beaucoup. Plaisir. Ah, salut Pimento FR, bonne nuit. Je pense qu'il est déjà parti. Et suivez Pimento, surtout, important. Ceux qui font un peu d'électronique ou qui veulent apprendre un peu de Kikad, il fait du Kikad en ce moment, beaucoup. C'est cool. Yes, et donc le dernier. Et on va vérifier tout de suite avec le connecteur femelle si ça va bien. Alors là, je l'ai fait au fer à souder. Pas à l'air chaud parce que comme je veux les positionner de manière très précise, au moins le fer à souder ça me permet de le faire proprement. Que l'air chaud ça bouge dans tous les sens, donc là c'est nickel. Là je remonte un petit peu, mais ça de toute façon il y aura la protection après. Là on est bon, et là on est bon, impeccable. Merci 3N5i5, bienvenue à toi. Nickel! Eh bien écoutez, hop! Première partie terminée. On a nos deux moteurs qui sont câblés, qui sont proprement câblés vers le haut, impeccable, qui sont prêts à être montés dans un robot si on le veut. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que, bah, restez, hein, pour la deuxième partie. Je vais mettre un petit coup de jingle. Et. On va commencer à parler des supports que j'ai fabriqués, que j'ai imprimés, de comment ça va se positionner dans le robot et de quelle tête ça va avoir. Donc, hop, je pars sur le générique et on se retrouve dans les crayons, les crayons. Effectivement. Merci Groslouche. Merci Mitranteur, bienvenue. Et oui, les crayons. Il va y avoir un peu de crayon. Pas tant que ça, mais il va y en avoir un petit peu. Allez, c'est parti. À tout de suite pour la deuxième partie.